trop d'ailleurs, les joueurs récitent les systèmes sans les utiliser. Ouais, Solomon à 3 points, il est ouvert et ça rentre, rien ne peut toucher, c'est dommage. Très bonne passe d'Aronsen pour deux, Marcus Nelson. Sur sa glisse avec Amara, si on ne l'avait plus vu depuis un petit moment. Chute qui n'est pas tombée dedans et ça repart pour Will Solomon. Quelle vitesse avec cette passe magnifique. Et le dunk d'Akil Mitchell, servi sur un plateau. Oui, Mbida. On avait Amara qui avait fait l'effort. Oh, super le backdoor pour Sergei Gladir et la finition de Sergei Gladir. Ils sont désormais devant, ils ont un petit peu éteint cette Azure Arena. Oui, qui est servi maintenant en tête de raquette. Team Blue contre et double bâche. Double, c'est le G2. Oui, Mitchell plus Adrien Outer en seconde là, mais derrière oh. Mitchell qui manque l'immanquable. Et les panneaux un peu durs, allez, les cercles un peu durs. Oh, on n'était pas loin du facial de l'année. Et Ouattara, 3 points. Solomon avec Akil Mitchell qui est, ouais, qui est libre en tête de raquette, il peut le prendre ce shoot là. Il les mettait à Virginia, il les met désormais à Antilles. Là, de ces dernières minutes, il continue d'attaquer à l'intérieur. Paul Carter rebond d'Akil Mitchell sans réussite. Ballon qui ressort pour Solomon, seul à 3 points. Will Solomon qui range les flingues. Et Amarasi à 3 points. Qui décoince ce peu. Quel joueur ça qui. À la chaleur. Mustapha Fall. Ressort sur Bourdillon. Bingo! Le pistolet reflète pour Bourdillon. Panier qui va être récupéré par Antibes alors qu'on revoit Fred Bourdillon. On peut toujours rentrer, mais le jeu doit être très. Voilà, là faut marquer. Là faut marquer. Schuller. Et voilà. 2-5-4. Bernard King, le 3 points avec le petit step back. C'est loupé rebond Paul Carter. Quelle dévotion de Paul Carter ce soir. Et Bourdillon qui va servir Mitchell pour le dunk à une main de l'ancien de Virginia. Et ce tir contré de Schuller, c'est symbolique un petit peu du match. Grosse domination malgré ce panier de Darrell Mitchell. Deuxième mi-temps et mérite amplement leur victoire, le score en atteste. Et voilà, c'est fait 80-67. Les deux premiers.